Coucou. Alors, j'ai reçu trois choses aujourd'hui et on va commencer par la dégustabox. Ouais, j'ai mon arme. C'est de l'eau qu'il y a dedans, mais des fois, je sais pas. Des fois, elle aime pas que je parle toute seule à la caméra. Elle doit se dire, elle est complètement folle. Alors, pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne, je parle de ma chatte. Voilà. Des fois, elle est un peu faux-folle. Donc, voilà. Ouverture de la dégustabox. Ouais, c'est un peu lourd, alors bon. On l'a reçu ce matin pendant que j'étais au travail, donc c'est cool quand j'entre d'avoir ça. J'ai reçu un colis de mamie et j'ai reçu ma commande cannelle et citron, donc je vous ouvrirai tout ça en vidéo et vous les verrez progressivement. Donc dégustabox, hein, pas besoin de vous faire un dessin comme d'hab. Je sais pas qu'est-ce que c'est le thème. Ah si, il y avait un indice. Et je crois qu'il y avait une fille avec... genre en mode cocooning. Donc, oula, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Alors, ça c'est quoi? Au coin du feu. Bah voilà, j'étais pas très très loin. Alors, au coin du feu. Bon, on verra ce qu'il y a. J'ai regardé des trucs, mais j'ai pas reconnu. Tac, 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 tac. Alors oui, dégustabox, parrainage, etc. À chaque vidéo, je vous fais le topo. Voilà. Si j'invite des amis, moi, je pourrais gagner des dégustabox. Enfin, des... ça me fait cumuler des points. Je crois qu'au bout de... Oui, je crois pas, j'en suis sûre. Deux amis parrainés, ça me fait une dégustabox gratuite. Donc, hein, moi, je vous redonne l'info à chaque fois. C'est toujours bon à prendre. Alors, là, moi, ça me fait 50 points de fidélité. Et au bout de 100, on a une box gratuite. Ouais, je vous menace pas avec mon couteau, mais voilà. Et vous, par contre, votre première dégustabox sera à 10,99€ au lieu, je crois, de 15,99€. Donc, si vous voulez tester, hein, c'est pas mal. Mais je sais pas. Alors attendez. En ajoutant. Ouais, bah ils disent pas que c'est. Au début, je pensais que c'était que pour les abonnements. Ça devait être pour la box envoûtée que ça. C'était pour les abonnements. Bref, oui, alors Madame Niji, elle arrive parce qu'elle a vu qu'il y avait un carton. Bon, si je commençais à ouvrir. Regardez, je sais pas si vous allez là. Hop, voilà. Donc je vais commencer à ouvrir. Il faut que je me dépêche hein, parce que madame est pressée. Ah non, elle vient de l'autre côté. Ok. Voilà. Ça t'intéresse, Boubou? Ouais, ça va l'intéresser quand ça sera vide. Pour l'instant, c'est pas vide. Donc il y a un pot avec de la sauce tomate. On va peut-être essayer de me voir un petit peu plus. C'est pas que je sois très belle, mais bon. Au moins que je vous parle et que vous me voyez. Hop. Donc, un pot de sauce tomate à l'olive. Ça doit être à l'huile d'olive, je pense. Tomate italienne. Bon, peut-être qu'il y a des olives, c'est peut-être pas de l'huile d'olive, hein. C'est peut-être des olives, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué huile d'olive, donc peut-être dans la composition. La sauce tomate, nanana. Olive mutie et simple et élaborée avec des meilleures variétés d'olives vertes et mûres. Bon, maintenant c'est pas avec de l'huile d'olive, sinon il l'aurait précisé. Hein. Voilà, donc. Combien c'est ce truc? 2,30. Il y a une autre variété aux légumes grillés. Voilà. Ensuite, une boisson apparemment Land Park. Une boisson de dessin animé. Natural Steel Mineral Water. Oui, d'organisme. Bah, c'est de l'eau au citron en fait. Hein. Tout simplement, ça doit être de l'eau au citron. Voilà. Donc, ça c'est au citron. Et ça, ça coûte 49 centimes la bouteille. Ça va. Parce que c'est que de l'eau, hein, après tout. En fait, on paye l'emballage, hein, c'est ça. L'eau minérale Bio Land Park au goût de citron bio, 0 calories, 0 sucre. Afin de remplacer le plastique, notre nouvelle solution d'emballage pour notre eau minérale bio et le carton certifié FSC. Le Dream Cap.
Composé à 42% de canne à sucre, source d'énergie non renouvelable, il vous offre une expérience de consommation agréable et recyclable. Deux bouteilles par box. Moi, j'en ai qu'une. Non, l'autre, elle est là. Hop, l'autre, elle est là. Voilà. Bon, ça doit se boire, hein, tranquille. Encore à boire. Donc ça, tourtelle au jus de citron, ça, je vois plus ça l'été en fait quand il fait chaud. Mais c'est pas grave. Il y avait citron ou framboise. Ben, moi, je reste dans le citron, ben, ça tombe bien, j'aime bien. Une canette par box, toujours tourtelle Twix, c'est tout le plaisir de la bière et la gourmandise du fruit, succomber à son goût frais et fruité. 0% d'alcool tout au long de la journée. Découvrez nos différents parfums à déguster en toutes occasions. Bon, une bière sans alcool, ça désaltère. Alors là, il y a un. J'allais dire, il y a un post-it. Oh, on doit avoir une tablette de chocolat. Je pense, mais je la vois pas. J'espère. Comme la dernière fois, je pensais qu'on allait avoir un pot de. Genre un pot de Nutella, c'était. Je sais plus ce que c'était, un truc italien, je me rappelle plus du nom. Et puis en fait, c'était un petit échantillon, quoi. Chili mexicain. Ça. On verra. On verra. Il y a une recette pour faire un chili. Et guacamole aux avocats grillés. Bah, ça tombe bien parce que j'ai fait mes courses, non pas en drive, mais en livraison. Voilà, j'avais reçu un SMS que j'ai. Je raconte ma vie. Hein. Hashtag je raconte ma vie. J'ai reçu un SMS de Carrefour qui me disait pour 100 euros d'achat, on avait 15 euros de réduction avec un code. Ben, j'ai fait mes courses, voilà. Et du coup, ben, demain à 8h, j'aurai les courses qui seront livrées. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas de voiture. Donc faire les courses, ça va un petit peu, mais j'ai l'impression que je dépense plus. En faisant un petit peu tous les 2-3 jours. Ouais, deux fois par semaine, on va dire. Plutôt que de faire un bon gros plein d'un coup, là. Donc là, j'avais rempli mon panier pour 150 euros. Du coup, j'ai pas eu les frais de livraison parce qu'il y avait 5 euros de frais de livraison. Oui, je raconte. Ça fait partie, hein. Là, c'est de la nourriture, c'est mes courses. Et du coup, bah, j'ai pas eu de frais de livraison et j'ai eu les 15 euros de réduction. Donc j'en ai eu pour 130 et quelques. Et voilà, et ça va être livré demain. Voilà. C'est très intéressant. Et demain, on est jeudi. Donc. Et j'aurai déjà reçu mes courses quand vous verrez cette vidéo, je pense, parce que j'ai déjà une autre vidéo de programmée pour demain. Donc, bah, je vous ai parlé de chili. Ils nous ont mis une dose de chili. Alors, j'espère juste que ça arrache pas. Il faut rajouter du bœuf haché, des tomates pelées et des haricots rouges et du maïs. Ah bah, j'ai pris une boîte d'haricots rouges dans mes courses et une boîte de maïs dans mes courses. Du steak haché, j'en ai, mais en surgelé. Des steaks hachés, vous savez, reconstitués, là. Voilà. Et des tomates pelées, ouais, je dois avoir ça. On a toujours ça à peu près. Enfin, moi, je sais, j'ai toujours ça dans ma réserve. Faites dorer la viande hachée, saupoudrez le contenu du sachet, chauffez une minute pour développer les arômes. Incorporez le concentré. Ah, c'est concentré de tomates. Ils ont dit tomates pelées. Bon, c'est pas grave. Incorporez le concentré de tomates, l'eau et les tomates concassées. Ah oui, remuez et faites mijoter 15 minutes. Ajoutez les haricots rouges, les grains de maïs, faites chauffer 5 minutes à feu doux. Puis servez, retrouvez toutes nos recettes sur www.ducros.com. Bim, je vous ai fait du bruit, je suis désolée. Donc, pourquoi pas, pour 4 personnes, bah écoutez, on attendra les vacances scolaires, comme ça on fera ça pour nous 4. Voilà. Ah, je la vois la tablette. Ah, bah c'est celle-là que j'avais envie d'avoir. Ça m'intriguait avec la petite citrouille, je pense que même je pourrais la découper pour faire une créa. Ouais, bah, des fois, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais où tu trouves tes idées? Bah, mes idées, c'est dans le quotidien. C'est, bon, pas trop en ce moment, mais c'est sur les vidéos des uns et des autres. Hein, on s'inspire forcément des uns et des autres. C'est sur Pinterest, c'est sur une pub. Je peux voir une pub à la télé. Une fois, j'avais vu une pub à la télé, genre Marquise, machin et tout, et... Du coup, j'ai jamais fait la créa, mais j'ai eu une idée, quoi. Enfin, bon. Voilà. Donc, les autres tablettes.
Il y en a une avec de la noix de coco, il y en a une avec du lait, quinoa et graines de chia. Ah, celle au coco, elle était avec du riz soufflé, elle devait pas être mal. Là, chocolat noir, heureusement que j'ai pas eu celle-là parce que je suis pas hyper fan du chocolat noir. Avec des éclats de fèves de cacao. Et celle que j'ai eue là, c'est avec des graines de courge caramélisées. À mon avis, c'est pas dégueu. À mon avis. Je vous ai pas dit les prix tout à l'heure. Alors, ah ouais, la tablette de chocolat, 3,59. C'est un peu abusé, je trouve. 3,59, c'est pas une grande tablette, hein, il n'y a que 80 grammes. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Après, pour faire un cadeau, pour bah, tablette de chocolat à glisser dans les Happy Mail, ça peut le faire aussi, hein. Et le mélange pour chili, 1,52. Oh, et ça, on connaît ça. Pourquoi nouveau? Je vois pas pourquoi ils disent que c'est nouveau. Parce que ça fait au moins un an ou deux qu'on connaît ça. Les mini chamallows enrobés de chocolat. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 1,98. Haribo chamallow choco. Un cœur moelleux et délicieux chocolat au lait. Vous allez tous craquer. Chamallow 3-4. Chamallow choco. est composé de 46% de chocolat pur beurre sans colorant artificiel. Découvrez Chamallow Mini Choco, un format mini bouchée à picorer pour un maximum de plaisir présent au rayon confiserie. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, ça c'est bon. Ah! Alors, ça c'est bon, je connaissais ça. Chez Action, ils en faisaient des chips de coco pendant un moment. C'est super bon, ça. Bah, j'avais un a priori, j'ai goûté, j'ai trouvé ça super bon. Et là, coconut chips mangue. Ça doit être arrosé à la mangue. Arrosé à la mangue. Aromatisé à la mangue. Délicieux chips de noix de coco, saveur mangue. Donc, je goûterai bien, mais si je goûte, je vais en avoir plein les dents. Et après, quand je vais vous parler, voilà. Ce ne sera pas génial. Donc, on goûtera après. Chips, chips, chips. Chips nature 1,80. Chips à la mangue 1,90. Bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu celle à 1,90. Délicieux chips de noix de coco grillées satisfont toutes vos envies de gourmandise et constituent un encas sain et varié. Sans additifs ni matières grasses ajoutées, dans un sachet pratique refermable, elle se déguste au petit déjeuner, en snacking ou à l'apéritif. Tiens, à propos, parce que c'est un produit un peu taille, je vous ai dit que j'avais été dans le resto où ils faisaient des Pokéballs, des Buddha Balls, et j'avais beaucoup aimé, et je voulais en faire. Et chercher les graines d'Enamam, Endamam, enfin bon, bref. Et en faisant mes courses, il y en avait sur le site. Alors, ne bougez pas. Ça me fait penser à un truc. Je vais vous chercher un truc, je vais vous montrer un truc. Hop là, tata. Hop, on cache. La cuisine, c'est ce qui n'est pas fait. Buddha Bowl, c'est ça. Pokéball, Buddha Bowl. Ce sont des bols avec plusieurs ingrédients qu'on met dedans. Parce que je sais que il y en a qui m'ont demandé, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Voilà des exemples de ce que c'est un Buddha Bowl ou un Poké Bowl. Je pense que c'est la même chose, Poké et Bouddha, je ne sais pas. Mais bon, ce que j'ai mangé, ça ressemblait à ça. Et voilà, il y a de l'avocat, de la mangue, du riz, plein de choses comme ça. Et moi, j'ai très très envie de faire un plat unique le soir et de manger que ça. Mais il y a plein de recettes. Là, c'était un petit kit que j'avais acheté à Margot à Noël. Et du coup, bah, c'est resté à la maison parce que bah, j'allais dire dans le bus, dans le train, c'est pas évident. Et on peut faire des Buddha bowls chauds et des Buddha bowls froids. Voilà. Ça et les ramen. Si vous connaissez pas les ramen, oh, ça c'est bon les ramen. Celle qui m'a fait découvrir ça aussi, les ramen. C'est des plats uniques et c'est très très bon. Bon, parenthèse fermée. On retourne dans la dégusta box parce que Niji, bah, finalement, est partie se coucher. Elle est désespérée. Ah bah, dans mes courses,
Ah, moins de sucre. Bon. Moi, j'ai pris la marque du magasin. Hein. J'ai acheté deux bidons de grenadine. Donc, bon, ça nous en fera trois, c'est pas grave. Ça part comme des petits pains, nous. On a du mal à boire de l'eau pure. L'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur, hein, mais franchement, nous, on n'arrive pas à boire que de l'eau. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Produit surprise. Notre équipe a décidé d'insérer un produit surprise dans vos dégustables de l'octobre. Venez découvrir, redécouvrir ou partager ce produit mystère avec vos proches. Bon, bah, moi, ça doit être ça, le produit surprise. La grenadine. C'est ni une bonne ni une mauvaise surprise. Hein, voilà. Ensuite, encore une petite barre, amande, coco et spiruline. Dommage que Camille, elle n'aime pas les noix de coco parce que spiruline, c'est très bien, ça fixe le fer dans l'organisme. Alors, cette petite barre. Ah, elle est là. Barre ou chips. Alors, moi, j'ai une barre. La barre de 45. Ah, mais ça ne doit pas être vendu à l'unité, hein. Parce que 2,45, ça me paraît cher. Non, ça doit être vendu en 4 ou 6, ou je sais pas. Voilà, la spiruline, c'est une algue et c'est très très bon pour ceux qui sont en déficit de fer. Donc voilà, j'ai même un petit bon de réduction et une recette. Alors, je sais pas si ça sera assez net pour que vous voyez. Petite recette aux fraises. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors là, elle a pris un petit coup. C'est pas grave. Oh, ben, je vais pouvoir la customiser. Hein. Je vais vous faire une petite custo. Je vous avais déjà fait une petite customisation de boîte comme ça, mais pourquoi pas une petite boîte de Noël. Après tout, autant que ça resserve. Il y a le couvercle là, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être vous customiser ça. Je dis ça, mais des fois, je fais autre chose et après j'oublie. Je dis beaucoup, beaucoup de choses et franchement, sur le moment, j'y crois. Et bah après, j'oublie. Voilà. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez pas être surpris. Springles original, 99 centimes. Offre-toi une petite pause avec Springles. Tes références Springles préférées disponibles en 40 grammes. Ouais. Vraiment, on en plein. Hein. C'est pas fini! Héroïque Plus, sucre de canne, caféine naturelle. Alors, ben ça, c'est une sorte de Red Bull made in France. Je connais pas du tout ce truc. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Héroïque Life, Héroïque Plus, 95 centimes. Besoin d'un coup de boost, ouais, voilà, c'est ça, c'est comme les Red Bull. Héroïque Plus vous accompagne, vous, les héros du quotidien. Oui. Accompagne-moi. L'énergie drink made in France et Santorine à base de sucre de canne bio, de caféine naturelle. Une recette simple et gourmande avec peu d'ingrédients pour être naturellement sans limite. Ouais. Faut quand même se méfier avec ce genre de produit parce que. Bon, là, il n'y a pas de taurine, mais. Si ça donne de l'énergie, faut pas en abuser, hein, de ces trucs-là, parce que c'est pas très très bon pour le cœur, pour la tension et tout le reste. Hein. J'ai eu un exemple à côté de moi et je peux vous dire que trop de Red Bull, c'est mauvais. Et ça, c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup quand ils nous mettent un jus de fruits, un joker, comme ça. J'aime beaucoup quand on a ça dans la dégusta box. Bon, après, c'est comme les chips ou les 4 quarts. Bon, si on en a à chaque fois, ça va être un peu saoulant. Mais moi, j'aime beaucoup qu'ils nous mettent ça. En plus, c'est pas de la, hein, c'est du joker. Alors, joker, il y avait le bio à l'orange sans pulpe ou le pomme. Bien souvent, j'ai des trucs à l'orange, donc je suis bien contente d'avoir la pomme. Ça va changer. C'est bio aussi, c'est sans sucre, c'est 1 litre. Et Joker, jus de fruits français depuis 1936, s'engage avec une gamme sans conservateur, sans colorant, sans sucre ajouté et noté B au Nutri-Score. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Nutri-Score se trouve sur les emballages. Et en fait, A, c'est excellent et plus vous avancez et plus c'est pas bon. Voilà, le but c'est de rester dans A et B, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Je sais pas s'il y a un autre truc là. Eux, ils n'ont pas dû le mettre en Nutri-Score. Bah non, parce qu'à mon avis, ça c'est
c'est pas très bon. Non, ils mettent pas partout hein, au final le Nutri-Score. Ils mettent en fait même sur le sirop. Non, il n'y a pas. J'ai pas fini de lire. Donc je vais finir ce que j'étais en train de lire. Nutri-Score. Cette gamme bio contient des fruits exclusivement issus de l'agriculture biologique qui limite strictement l'usage des pesticides afin de préserver la biodiversité. Voilà. Bah écoutez, bon, le thème, je vois pas le rapport des fois avec le thème. Voilà, ils nous auraient mis un truc pour faire. Bah des fois ils nous mettent du thé, bah là par exemple du thé ou un chocolat chaud ou un truc au coin du feu, des gâteaux pour manger au coin du feu, enfin je sais pas, une soupe, j'aurais pu mettre une soupe. Mais bon, je vois pas ça au coin du feu, je vois pas le rapport. Bon, ça à la limite à grignoter au coin du feu, pourquoi pas. Ou alors, je sais pas moi, des trucs sauce barbecue. Non, je sais pas, sauce tomate au coin du feu, bon, je vois pas trop. Bon, ça, se boire un petit jus devant le coin du feu, pourquoi pas. Allez, boire un petit coup comme ça, tous les trucs à boire, ok, pourquoi pas. Ça, carrément pas au coin du feu, ça va fondre. Voilà, les graines de courge dans la tablette de chocolat, non. Ah bah, elle est ouverte. Bah, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Bon, après, des fois, ils mettent des thèmes, mais après, à mon avis, ils mettent un peu ce qu'ils ont. Hein. Et moi, j'aime bien les Dippy-Tabox, franchement, j'aime bien. C'est du chocolat au lait ou du chocolat? Ah, c'est du chocolat noir. J'avais pas fait gaffe. Hop, ça se présente. Comme ça. Et à l'intérieur, il y a les petites graines de courge caramélisées. Voilà. Hop, je remets dedans. Bah écoutez, moi ça m'a beaucoup plu. Hein. Moi j'aime tous les produits. Il n'y a pas un truc que je ne vais pas manger. Non. Non, moi je vais tout manger. Mais des fois il y a des trucs que j'aime pas, donc forcément je vais pas manger. Mais attendez, ça, je vais voir si ça pique ou pas. Il y a pas. Des fois il y a des petits piments pour indiquer si c'est ça arrache ou pas. Non, là il n'y a rien. Je parle du chili. Donc voilà, et ben on va s'arrêter là. En barre d'infos, il y a toujours mon code pour la Dégustabox. Si vous voulez avoir la réduction et si vous voulez que j'ai les points, et ben écoutez, si vous êtes tenté par une petite découverte, je pense que elles vont être sympas les prochaines parce que novembre, décembre, en général, elles sont assez sympas. Donc il y a des belles petites découvertes et elles sont un peu améliorées, on va dire. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vais ranger tout ça, Niji a dû s'endormir parce que c'était trop long pour avoir son carton, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, voilà, allez je vous fais des bisous, bye.